Nous avons par exemple en péninsule sud là 2000 logements en construction. Et parmi 2000 là, il y a 250, 220 qui sont presque terminés. Nous avons installé un réservoir de 10 000 gallons dans le village Kalakokay qui a desservi 100 familles. Nous faisons curage de 450 mètres linéaires dans la cité EPPLS Okay, que nous avons 3 villages là-dedans. Dans le département nord-est, Wanamé-Terre Rouge, nous faisons livraison de 424 logements à la population. Dans 4 caravanes de changement qui ont été lancées la Grange, 1er mai 2017, et bien sous instruction du président de la République, là, nous avons déjà planifié, projet déjà préparé pour construction 350 logements pour les gens qui vivent dans une zone qui est dans une situation difficile en matière de logement. Nous, dans le cadre de la promesse du président à l'équipe féminine UVA, après exploiter fait pour le mondial là, qui a débuté 5 août en France, et bien nous avons déjà visité tout pareil, nous avons déjà préparé le projet pour construction d'un logement pour chaque famille USAO, comme président a demandé. Et comme nous disons, c'est environ 20 000 logements que nous avons construit pendant le mandat président Jovenel là d'ici 2022. Et nous avons déjà un budget pour lui déjà, et qu'un budget qui a à peu près de 13 milliards de gouttes pour nous arriver à atteindre l'objectif SAO. C'est pour mettre au fur et à mesure pour nous répondre à besoin de monde qui a un problème de logement. Et c'est pas sans raison, le président de la République, le premier ministre, là, fait des logements sociaux une priorité du gouvernement. Le syndicat des employés de l'OAVCT annonce la poursuite de la grève dans toutes les annexes de l'institution à travers les 10 départements géographiques du pays. En conférence de presse ce mardi, les grévistes ont fait savoir que ce mouvement, baptisé Opération Zéro, vise d'une part à réclamer le départ des 3 membres de la commission de restructuration dont le mandat est arrivé à expiration le 30 juin dernier et d'autre part à exiger la nomination d'un directeur général à la tête de l'institution. Finie la trêve depuis 3 semaines, la grève se poursuit à l'OAVCT. Les syndicalistes n'entendent plus lâcher du lest. Leurs revendications ne sont toujours pas satisfaites. Alors, nous avons toujours dit qu'il faut que la commission aille. Mais le mandat fini, ça a encore poussé nous plus d'avantage, nous plus d'énergie pour nous dire que nous pas besoin de commission, nous avons directeur général. Nous pas besoin de côté l'absolu. Mais cependant, nous avons 10 présidents, nous avons mis à prendre le bon profil, un bon administrateur, pour discuter avec tout le monde dans l'institution pour nous relancer l'institution. Des revendications parmi tant d'autres qui demeurent inchangées. Et dire qu'une trêve de 2 semaines a été observée dans l'espoir de conclure une entente pour éviter de pénaliser les contribuables. Au contraire, rien de concret n'est sorti des discussions engagées entre les protagonistes. Ce que déplore Rudy Saint-Just. La table dure plus, oui, c'est parce que la commission ne respecte pas respecter une clause. Une clause, c'était arriver, pas de transfert qui était fait de manière illégale, qui était fait des normes. Et vous pouvez le comprendre, il peut le transférer directeur administratif, administrateur d'abord, pour être une grande raison, parce qu'il n'a pas décidé de signer un payroll. Moi, en juin, quand il dit payroll, ça a eu, il m'a dit pour le faire depuis 7 juin pour des problèmes, pour des raisons humanitaires. Bon, nous comprenons le thème très mal. Et puis, madame a dit, il n'est pas carrément pour nous payer moi en juin pendant ce temps, il y a 2 mois de grève. Il faut que si monsieur, messieurs, dames, touché, il transfère madame. Vu qu'il transfère ça depuis lors, tout employé à l'unanimité dit. Comme si on a trouvé tout effet d'appropriant flambeau mobilisation. Une situation jugée insoutenable par les employés grévistes. Ils en imputent la responsabilité au président Jovenel Moïse, garant de la bonne marche des institutions du pays. Onanis Julien est affectée au service juridique de l'OAVCT. Elle appelle le chef de l'État à ne pas fuir ses prérogatives. Mais pour qui ça, président, pas délégué en commission d'arbitrage, de médiation, vindi, mais pour qui raison pour résoudre la crise là? Ça montre que monsieur Jovenel, pas grand qu'une volonté pour résoudre la crise là. 3 mois depuis que la crise perdure à l'OAVCT, le syndicat des employés de l'institution entend aller jusqu'au bout dans son mouvement baptisé Opération Zéro. Dans l'intervalle, les contribuables à la police d'assurance expirée ont 2 choix.
soit circuler avec le véhicule non assuré au risque d'écoper une contravention de la part des policiers, soit le laisser chez eux et utiliser d'autres moyens de transport. Une vive tension règne au niveau de Martissant depuis le début de la semaine. Les citoyens interrogés par Métropole ce mardi ne cachent pas leurs inquiétudes et déplorent l'impact négatif de cette situation sur leur quotidien. Passagers, chauffeurs de tap-tap ou de voitures privées sont tous sur leur garde. Martissant n'est pas un lieu où il faut s'attarder. Cependant, plusieurs voitures et patrouilles de police sont remarquées au niveau de cette localité, une présence qui est loin de rassurer les riverains. Ils appellent les autorités à trouver une issue à cette crise qui terrorise la population. Le président de l'Association haïtienne des économistes, M. Eddy Labossière, juge réaliste le projet de budget 2018-2019. La loi de finances prévoit une enveloppe globale de 175 milliards de gourdes, soit une hausse de 20% par rapport à l'exercice précédent. M. Labossière soutient que l'analyse du budget permet de comprendre que les autorités financières ont adopté des dispositions pour appliquer la réforme fiscale qui implique la lutte contre la contrebande. Il ne considère pas que l'enveloppe budgétaire soit trop élevée, faisant valoir que le potentiel fiscal haïtien est de 300 milliards de gourdes. Il faut que les officiels aient le courage de réaliser la réforme des finances publiques, a-t-il déclaré. Il exhorte les autorités à appliquer la législation afin de parvenir à une fiscalité optimale. M. Labossière révèle que moins de 70 000 citoyens ont fait leur déclaration définitive d'impôt, tandis que le nombre de fonctionnaires des secteurs privés et publics est supérieur à 385 000. En attendant la mise en place des dispositifs fiscaux, l'État peut mobiliser de nouvelles ressources en éliminant les subventions à l'EDH et sur le prix des carburants. Ces manques à gagner peuvent être comblés rapidement, insiste-t-il. La séance d'interpellation du Premier ministre, mise en continuation, peut reprendre à n'importe quel moment, selon le député Caleb Desrameaux, car, explique-t-il, la lettre de la Cour des comptes n'a pas débouché sur la suspension des ministres indexés. L'élu de Tabar s'est prononcé en faveur d'un débat sur l'action du Premier ministre Jagy Lafontaine et de son gouvernement, en raison des nombreuses critiques dont ils font l'objet. Séance d'interpellation, séance que le président Garibaudo a mis en continuation, l'ICA a fait demain si Dieu veut. La séance d'interpellation, c'est une séance spéciale que lié. Question, mise en accusation de gouvernement par un groupe de députés. Donc, séance ça, l'a fait exclusivement sous ça. Et c'est justement ça qui arrive. Séance n'était partie pour aller dans route ça. Maintenant, problème qui vient, nous avons un problème de procédure d'appréciation sous une lettre que le Cour supérieur des comptes écrit bureau. C'est Gégé des collègues députés qui écrit au supérieur des comptes, qui mandait on donné sous des ministres qui ont nommé au supérieur des comptes. C'est sûr que le répond, mais l'écrit bureau. Institutionnellement, il n'y a aucun drame. Le président élu peut écrire au président de la Chambre des députés. Pas de drame dans ça. Et si le si bureau a suivi une correspondance, il faut le présenter par devant l'Assemblée. Mais maintenant, pour nous faire une histoire longue, c'est l'aide ça qui indexe ministre. Mais attention, la lettre, et ma petite encore, la lettre n'est pas contraignante. La lettre n'est pas contraignante comment? Parce que la ligne dans la séance, les collègues ont décidé que le ministre a eu un problème. Le ministre a eu un problème. Ou bien le ministre a eu pas de rester dans la salle là. Ou bien le ministre a eu pas de dire pour entrer dans la chambre députée. C'est faux. Je dis que c'est faux parce que tout simplement, malgré la note de Cour supérieure des comptes, je dis à le ministre qui est indexé, il est toujours dans le bureau. Je dis à le ministre qui est toujours absent. Je dis à ce que le conseil de gouvernement, le ministre, autour du gouvernement. Si le conseil des ministres, il va dans le conseil des ministres. Donc, le gouvernement ne pas mettre le ministre à côté. Il continue à fonctionner. Donc, si on continue à fonctionner quelque part, moi, je dis, ma position à moi, je dis, eh bien, séance d'interpellation, tu as continué à faire. Parce que l'être Cour supérieure des comptes, pas bloquer fonction comme ministre. L'indexer, mais si l'indexer, je dis à, c'est au lendemain de
séance là, c'est pour le Premier ministre, la présidente, et mettez ministre à côté, ministre pas à côté, non? Le ministre de la Culture et de la Communication, Guilherme Delva, dément les informations laissant croire qu'il était comptable de deniers publics lorsqu'il présidait la commission indépendante d'appui aux enquêtes relatives aux assassinats de journalistes. Il a fait remarquer qu'il n'avait pas besoin de certificat de décharge pour intégrer le gouvernement Moïse Lafontaine. L'ancien président de SOS Journalistes menace de passer à l'offensive dans les prochains jours. Et moi, je mettais au défi n'importe monde pour chercher à arrêter ça, qui était nommé. Et commission, ça a dit que c'était commission présidentielle, parce que je me disais qu'il y a des députés, interpellateurs, qui étaient dit eux-mêmes qu'ils ont arrêté, ou bien qu'ils ont arrêté. Mais je vais rien compliquer. C'est-à-dire que si arrêté n'a pas existé, il y a un monde fait well. Et si nous a dit li wel que le vinavel li montre l'exhibil pour tout le monde. Donc ça n'a jamais été le cas. Donc nous devons porter précision ça. Et quand même, si l'Itavin d'Adjou, il a fait un fait. Et que si le monde recevoir une subvention, une organisation de base, ou bien un individu, n'importe qui monde, qui t'a reçu voir une subvention de l'État qui soit pas légale et que Mounsa t'a vu comptable de deniers publics comme s'il besoin d'échange, et m'a quoi pas avancer trois fois qu'on y a là, mais parce que y a des mounes qui disent bon, et m'a quoi besoin vraiment avancer sur ces bagailles. Mais moi-même, m'a aller sur ces bagailles qui t'a qu'à venir compliquer situation, pas pour moi non, pour équipe moun. Y compris des gens qui disent ça. Donc, je vais avancer plus loin, parce que je n'ai pas même, mais je pas besoin d'avancer la gonia là. Donc, j'espère que son bail cap clarifié, c'est une erreur. Bon, je souhaitais ça. Mais, je vais arriver comme si je disais avec ça pour bonne bail vienne chavirer, parce que si on me dit ça, c'est vrai, ou on me campe derrière, bon, laisse ça, moi, je n'ai pas le choix. Parce que, nous avons rien information de bagay qui a montré. Si vous dites moi j'ai besoin de décharger pour ça, il y a pile l'autre question que je vais poser. Je n'ai pas besoin d'entrer là-dedans qu'on y a là parce que j'ai des amis, des alliés, des dit mon cher Guilherme, vous va te poser par râler ça là. Bon, je suis capé là. Mais je dis, je ne pas gagné, je ne pas comptable de deniers publics. Et si je suis comptable de deniers publics pour ça qui passe, c'est que y a tellement de paquets de monde dans le pays qui est comptable de deniers publics. Et qui n'a des positions, donc pas de décharge. Et m'a un nom, m'a une liste, m'a une liste là, et puis qu'on y a là, m'a à poser des questions, m'a fait ça. Pour qu'on y a là. L'absence des professeurs dans les salles de classe durant l'année académique aura un impact sur les résultats. C'est ce que révèle le député de la circonscription d'Anse Rouge, membre de la commission éducation à la Chambre basse. Edouane El-Chéri, qui dit constater de graves irrégularités dans le déroulement des examens d'État cette année, estime que le programme scolaire n'a pas été bien assimilé par les écoliers dans certaines régions du pays. Pour éviter des grèves à répétition dans le système éducatif haïtien, le parlementaire appelle les autorités gouvernementales à mettre tout en œuvre en vue de nommer les professeurs pour la prochaine année académique. Suivez les déclarations d'Edouane El-Chéri. Moi, j'ai des cas, j'ai des gens qui nomment, il y a 5 ans, qui ont une lettre de nomination dans le meilleur qui vous a touché. Et parallèlement, j'ai des professeurs qui ont 3-4 ans qui travaillent, qui n'ont pas une lettre de nomination dans le meilleur. Ça vient handicaper le système, surtout l'absence dans la salle de classe, vient entraver. Vient augmenter taux d'échec là tout, bien que pour qu'on fait correction au niveau examen 9e année ni au niveau examen baccalauréat. Raison parce que on t'a parlé ensemble avec un série de candidats, il dit que gien des matières yo pas gétan, gien des chapitres qui pas gétan couvri. Gien l'école qui te fait même 2-3 mois pour réussir à pas le travail, parce que son programme pour programme là par rapport à l'absence, il vient nous causer ça. Nous avons critiqué
élèves yo nous pral di élèves yo pa ba rien mais ti moun yo si al nan salle de classe yo pa un professeur m pense que li clair à la fin d'année nan examen fin d'année c'est échec la pied pour éviter genre de catastrophe ça yo pour exercice pral venir nous mandé faut avant réouverture des classes là li clair faut l'état prend responsabilité et surtout PM là ensemble avec ministre de l'éducation nationale là faut qu'il nomme professeur.